si elle le pouvait, cette petite fille vous dirait sans doute « Je m'appelle Mia, j'ai 5 ans, j'adore ma famille, mon chat, la glace et le chocolat ». La maladie génétique invisible à la naissance l'empêche désormais de parler, de marcher ou d'être nourrie autrement que par sonde. Le diagnostic est tombé juste après la naissance de sa petite sœur Maëlle. Mia avait 3 ans. C'était dur. J'ai beaucoup pleuré dès le départ, pendant 15 jours. Et derrière, après, on s'est repris en main et on a dit qu'on se battrait tous ensemble pour la maladie. Les premiers signes, Audrey les a repérés très vite. Auxiliaire de puériculture, elle travaillait justement dans un centre pour enfants handicapés. Mia n'arrivait plus à marcher sur les terrains instables, à rester assise. La faute à une leucodystrophie métachromatique, une maladie génétique rare qui a épargné Maëlle, mais pas Mia. Il a fallu organiser une nouvelle vie, équiper la chambre, la salle de bain, trouver une place dans un centre spécialisé. L'association ELA a aidé à financer les équipements et à mener les démarches administratives. C'est ici, pas loin de la maison, que Mia va désormais passer 3 jours par semaine. Elle est arrivée, on a eu le diagnostic le 25 mars 2021, elle est arrivée le 25 avril. Voilà. Une chance. C'est ça. Ah oui, une chance, elle a été prise en charge tout de suite. La rééducation, psychomotricienne, ergothérapeute. Joséphine, l'objectif de ces séances, c'est quoi ? Le bien-être. Le bien-être pour Mia, et on en profite pour essayer de la mobiliser un peu, mais surtout le bien-être. Hop, c'est parti ! Prêt au décollage ! On y va, tu m'aides ! Allez, tu m'aides ! Allez, tu m'aides ! Allez, on y va ! Mia, ce qu'elle aime surtout, c'est être avec les autres enfants. Et puis, on a les sourires de Mia quand elle aime bien, particulièrement tout ce qui est jeu sonore, mais tout ce qui est musique, histoire, voilà. Tous les petits moments où on est avec les enfants, généralement, on a des beaux sourires. Voilà, on est gâtés. On est gâtés, Mia. Chez Mia, la maladie est là, mais elle n'a pas vaincu le tourbillon de la vie, ni l'espoir, ni les sourires autour d'elle. Profiter de chaque instant, c'est ça l'important désormais. L'objectif, c'est que qu'elle passe sa meilleure vie. Bisous.